On se retrouve pour une nouvelle vidéo live. Donc aujourd'hui, on va analyser cette vidéo. Essan qui analyse les mecs du Coroco Gym et qui nous dit qui est dopé ou pas. J'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, on est obligé d'en parler. Vous me connaissez déjà, vous savez que j'ai l'ultime Sharingan, donc on va voir, est-ce que Essan, est-ce que le Sharingan d'Essan vaut quelque chose? Ça vaut rien, sachant que Essan, voilà, c'est quand même quelqu'un qui... C'est pas, je sais pas qui, il connaît, il est dans ce domaine-là, il connaît le bodybuilding, il sait le genre de physique qui peuvent être dopés, comme les genres de physique qui sont inatteignables naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Lui-même a coaché pas mal de personnes dopées. Après, le problème, c'est que on connaît des fois comment sont les, entre guillemets, les chargés entre eux. Ils ont tendance à se dire, ouais, non, ça passe natty, alors que c'est déjà des niveaux abusés. Donc on va voir ce que ça nous donne là-dessus, surtout que lui, il est tellement habitué à avoir des gros gabarits qu'on peut se dire peut-être avec le temps, est-ce qu'il a perdu un peu la notion du ce qui est atteignable naturellement? Bref, j'en sais rien. On va voir son analyse, mais il est quand même bien placé en tant que dopé pour reconnaître un dopé. Donc on va voir si il n'a pas perdu la lumière dans ses yeux. Donc go, go, go. Vidéo, on va D'ailleurs, regarder. j'ai remarqué que eux se vexent vite quand quelqu'un comme moi émet un doute. Mais quand c'est ça, je me demande s'ils vont se vexer pareil. Parce que moi, dès que je fais une vidéo, je dis il y a des doutes. Je dis pas que c'est dopé, je fais on peut avoir un doute. Ils sont vite vexés, mais apparemment, quand c'est ça, les ça n'a le droit. Encore une fois, c'est vraiment harassement, flirting, tu vois. Harcèlement. C'est moi, c'est du harcèlement. Quand c'est les autres, c'est très bien. C'est oui. Toi, c'est bien quand c'est toi. C'est pas pareil. Vous faites la même chose, mais toi, c'est bien. Lui, c'est pas bien. Au bout d'un moment, il va falloir dire les termes. Qu'est-ce qui dérange vraiment? Parce que là, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Au bout d'un moment, bref, on y va. Et genre, En fait, ouais, j'ai l'impression que des fois, on me juge pour mon arrogance natty. En gros, un dopé a droit de suspecter d'autres d'être dopé, mais moi, comme je suis natty, je n'ai pas le droit. Des fois, j'ai l'impression qu'on me fait ce reproche-là. on veut vraiment faire une dinguerie. Après, on va voir si on le fait parce que ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie Ah aussi. bon, Mais dans le ça chronomètre, commence quand? on va commencer par Coco. Coco, Cocorico, qui Waouh. est. Moi, personnellement, lui, je doute. Je doute. Je ne dirai jamais que quelqu'un est dopé, pas dopé. Je doute. Et ça ne m'a pas l'air. Bref, faut en voir plus, mais de ce que j'ai vu là, je doute, je doute. Quel est ta clé comme ça, t'es des fibres, c'est déjà comme ça. En fait, lui, le problème, en tout cas pour moi, hein, je sais pas, on verra ce que ça me dira. Il a l'air d'avoir un niveau atteignable naturellement, c'est bien dit, il a l'air, mais je sais pas pourquoi, j'ai un doute quand même. À cause des tatouages, certainement ça joue, mais je vous le dis, j'ai un doute. Même si ça peut être un physique atteignable naturellement, attention. Mais j'ai un doute quand même. Après, on verra ce qu'ils vont dire. Ouais, les veines, la peau, il y a un truc qui, moi, qui me font douter. Même si ça reste à un niveau atteignable naturellement. Parfait, très fine, ultra fine. On dirait pas que t'étais un ancien obèse, c'est ça? J'étais gros, enfin, en fait, j'étais petit. Il faut faire la différence entre un physique atteignable naturellement et un physique pas atteignable naturellement et un physique de dopé. Beaucoup de dopés ont des physiques atteignables naturellement. Faut pas oublier ça. Il y en a, on s'entend, s'ils disent si t'es dopé, forcément t'es un physique hors norme. Non. Je crois avoir fait pas mal de vidéos là-dessus. Tu vois, bref. Et je pense que l'état d'esprit aussi a changé. Moi, c'est sûr. Bah, j'ai pas le même état d'esprit entre l'année dernière et celui que j'ai maintenant pour le coup. Après, ça, c'est l'avantage du Moi, je pense que coach. Essan, vous allez voir, je pense que Essan, il va dire Nachi. Je pense qu'il va le dire Nachi, Essan. Parce qu'il a pas. Il a pas analysé comme moi à mon niveau. Tu vois, je pense qu'il va dire Nachi, Essan. C'est un groupe et on évolue tous les uns les autres. Je vais commencer à donner mon Dans avis. leur groupe, son surnom, c'est le druide. Sérieux? Pour moi, ce physique-là est atteignable en 4 mois avec de l'entraînement, avec une alimentation. En 4 mois, bon, Essan, faut doser 4 mois. Il a dit un physique atteignable en 4 mois. Là, désolé, Essan, je l'aime bien, vous savez, hein. Mais là, on vit plus dans le même monde. Là, quand je vous dis des fois avec certains coachs, le problème, c'est qu'on n'est plus dans le même monde. Faut dire pour qui. À moins que tu dis pour qui. Dire ça en 4 mois, ça dépend, il s'adresse à qui. Ça dépend de la base de la personne. Mais dire ça comme ça, là, tu vois, là, je lève les mains, moi, personnellement, je dis comment ça en 4 mois? Ça dépend de ta base. Ça dépend de la base de chacun. Mais ça en 4 mois, ouais. Ah, ça me paraît quand même fort de café. Équilibrée en 4 ans, pardon. Ah, ouais. J'ai dit Ah, combien? en 4... ah oui, ah, c'est bon, il a corrigé. Il a dit en 4 ans. Même, tu as même eu, ça dit 4 mois. Ouais, c'est gouré, c'est gouré. Je me disais que c'était abusé. Ah non.
un AVC. Attends, je m'assois. 4 ans, il a dit ça fait 4 ans qu'il a commencé. 4 ans, en 4 ans, c'est largement atteignable. 1m80, 85 kg. Ouais, mec, t'es pas chelou sec et tout, mais franchement, atteignable. Et toi, Sabri? Ah, mais Sabri aussi. Ouais, moi je dis que c'est atteignable. Non, non, mais ça va, ils sont malins. Ils disent pas que le mec est pas dopé. Ils disent que c'est atteignable naturellement. Nuance, les gars, nuance. Donc, ça infirme pas ce que j'ai dit. Ils disent juste que c'est un physique atteignable. Mais ils disent pas que toi, t'es pas dopé. La nuance. Donc, il faut savoir faire preuve de cette nuance. Ton physique, frérot. Vraiment bravo. Félicitations. Ouais. Bon, après, pourquoi il ramène lui? Je veux dire. Après, on dit ça, mais il y a des mecs dopés qui ont ce genre de physique. Mais ramenez les gars vraiment suspects. Ramenez les gars vraiment suspects. Moi, j'en sais rien, c'est les natchis. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, ça s'atteint naturellement. Mais après, qui a envie d'atteindre ce genre de niveau? Lui, encore une fois, on a un physique atteignable naturellement. Lui, pour le coup, j'aurais envie de dire natchi. Atteignable naturellement, et j'aurais envie de dire natchi. Avec un bon point fort épaule, mais qui n'est pas non plus délirant. Tu vois ce que je veux dire? Lui, j'aurais envie de dire Nati. Mon Sharingan ne s'allume pas. Ouais, il est congestionné, il sort de là, ils sont tués. Ça se voit, il est en sueur. Lui, j'aurais envie de dire Nati. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais envie de dire ça. Franchement, les beaux pecs. Quand SN dit qu'ils sont dopés, il est gentil. Quand c'est Marvel, il est toxique. C'est exactement ça, Iden. Hein, c'est ce que je dis. En vrai, en tout cas, 2 ans et demi, atteignable, magnifique, bravo, merci, continue champion. Oui, bon, lui, atteignable naturellement, et en tout cas, mon Sharingan ne s'est pas allumé. Même s'il faut toujours garder le doute, après, il faudrait voir comment s'est passée sa transformation, d'où il est venu, en combien de temps il a pris, etc. Mais je n'ai pas eu la lueur, contrairement à l'autre là, j'ai pas eu la lueur qui est apparue. Ah, il est bien, franchement, il est top. Bon, bah, moi, ça que c'est, hein. Oh, vas-y. Vas-y. Frère, garde ton t-shirt, va là-bas, vas-y, garde ton t-shirt. Tu vois, comment on peut les prendre au sérieux, les mecs du Corona? Vas-y. Bah, on verra ce qu'il va dire, mais vas-y. Ça va faire 6 ans. Un sacré physique, hein. Non, ils sont morts, ils savent, hein. Ils savent très bien. Sacré physique, c'est vrai. Tu travailles 7 jours sur 7, voilà, c'est un sacré physique. Il pourrait presque monter sur scène. Attends, mais comment le mec du Corona, il peut croire quand lui dit les Natchi? À moins qu'il le dise pas, je sais pas, mais là, soi-disant, il a mis des mecs qui se disaient Natchi. Donc comment le mec du Corona peut venir me casser les couilles en disant « Ouais, les gens comme Marvel, ils aiment bien de suspecter les gens, nanani, nanana, ils mettent un mec comme lui comme ça. » C'est quoi le culot? Je suis suivi par un coach depuis le mois d'octobre. Je me suis dit « Je vais prendre un coach pour faire une vraie prise de masse. » Ta progression n'est pas choquante parce qu'il y a déjà 3 ans, t'es déjà énorme, t'es même plus gros que moi limite à l'époque. Zedran, commence pas. Arrête de... Ouais, même lui, il est mort de rire. Théma, il est mort de rire, il sait. Théma, son sourire, ça ne trompe personne, il sait. Ils le savent tous d'ailleurs ici, on est où là? Que pour moi, c'est atteignable, il y a des gens qui vont dire non, etc. Pour moi, c'est... Oh là là, Zedran, il part en couille. Ah, il part en couille. Bon, là, il truc pour sa paroisse. Clairement, là, il joue pour sa paroisse, il ment. Zedran, je t'aime bien. Mais là, je suis désolé, il n'y a personne qui peut te suivre. C'est parce que toi et ton frère, en plus, vous bougez tout le temps, vous êtes genre, ouais, ça, vous êtes sportif dans l'âme. Baba, je te laisse parler. Non, vas-y. Dis ton avis, Baba. Atteignable, avec un peu d'arissa, ouais, peut-être. Tu vois, il est honnête. Atteignable, mais peut-être que parfois tu t'es pris 2-3 de Doliprane. Mais ça, c'est pas grave. Ouais, t'es vrai, Essan. Il rigole, hein. C'est là. Alors que là, non, parce que là, clairement, Essan, il vient de dire. Atteignable, mais t'es dopé. Ça veut rien dire. Essan, ça veut rien dire et tu le sais. Tu vois? Il le sait. Et ils le savent tous. Et ils sont là. Ils le savent tous. Là, ils viennent de dire clairement. Ce que ça veut rien dire. Atteignable, mais tu t'es déjà dopé. Non, dans ce cas-là, pas atteignable. Mais il est gentil, Essan. Il est gentil. Il veut pas. Ils sont accueillis chez eux. Il veut pas leur dire cash. Je peux l'entendre. Bon, moi, j'aurais dit cash. Pour moi, t'es dedans, frérot. J'aurais dit, j'ai de gros doutes. J'ai des énormes doutes, là. C'est plus un doute, là, frérot. C'est les gyrophares, frérot. Donc là, attends, on a quand même les deux qu'on dit concrètement. Enfin, lui, il a dit atteignable. Lui, il a dit pas atteignable. Et lui, il a dit les deux. Ah, ça me rend, en fait. Il a dit atteignable et pas atteignable. Atteignable de temps en temps, donc non. Bref, on a bien compris ce qu'il voulait dire, Essan, par ça. On a bien compris, il est poli, mais clairement, il veut dire, frérot, prends pas les gens pour des cons, t'as déjà pris des trucs, tu vois. On est d'accord.
puis voilà, t'as pris 2-3 Doliprane, c'est pas grave. Pas voilà, elle le dit. Tu peux le raconter, on ça, est d'accord. Ça, ça, là, on est en off, là, c'est bon. Ça n'empêche pas que t'es un charbonneur. Et en plus, on a fait une voilà, série. Voilà, merci. Elle dit, c'est pas grave, voilà, t'as charbonné, mais t'as pris 2-3 Doliprane, merci. On a quand même, attends, parce que là, il y a les deux là qui ont avoué qu'il était dedans. On a quand même Zedran qui a dit Athénem naturellement. Donc Zedran, moi je l'aime bien, attention, vous savez, hein. Mais soit il est, ça veut, ça, soit vraiment il est complice, c'est-à-dire il a voulu jouer au truc, soit il n'y connaît rien. Soit il n'y connaît rien. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est, comme je dis, fait, soit t'es con, soit t'es complice. Bon, moi je pense qu'il est plus complice. Je pense qu'il est plus complice, tu sais, parce que t'es pas bête, Zedran, t'es pas bête. Tu sais très bien que t'es pas bête. Enfin bref, continue. Un charbonneur, et en plus, il a une... naturellement, il est fou. Bon, il est dedans, il est dedans, il est dedans. Pour moi, là, ça, ça s'allume. Les épaules, là, trapèze, épaules, pour moi, ça ment. Bah après, on verra ce qu'ils vont dire, mais pour moi, ça ment pas. Il est sorti hier soir, hein. Du coup, mais parce que beaucoup doutent de ma naturalité, autant autour de moi, dans le cherche proche, que sur les réseaux, du coup. Tout le monde pense qu'il est chargé. Ah, le problème, c'est... Mais pourquoi ces gens-là, ils sont... Enfin, je comprends pas. Des fois, ils ont un aplomb. Ouais, je suis naturel, pourquoi vous doutez? Vous êtes sérieux? Moi, j'aurais ce physique, admettons naturellement. J'aurais dit, je comprends vos doutes. Je comprends vos doutes. Mais ils sont là, bah non, il n'y a pas à douter. Comment ça, tu doutes? Non, ça se voit, c'est nati. Ils sont pas cohérents. Ils sont pas cohérents. À les entendre, tout le monde a ce gab-là. Ils sont pas cohérents, ces gens-là. Ça me rend ouf, mais bref. Alors, ce qu'ils vont dire. Ce qu'ils mangeaient, toi, au niveau de sa diète, ça correspond pas au physique. Avec ça, tunisien. Avec ça, avec un peu d'huile d'olive. C'est vrai, les deux, là, ouais, ils ont dit les termes, mais ils savent très bien. Non, mais. Non, t'as un beau physique. Voilà, on va pas critiquer le physique, il est là. Mais 6 ans de muscu, c'est atteignable avec un peu de mousse et d'avis. Ah, bizarre, il avait pas le discours avec l'autre qui était encore plus impressionnant. Bizarre. Donc, j'ai l'impression que Zedran, il fait ça au hasard. Il dit Nati Panati au hasard. Bien selon s'il connaît la personne, peut-être j'en sais rien, mais bon, c'est un peu au hasard, j'ai l'impression. Ouais. Après, ouais, par rapport à ta diète, si le matin tu prends 2 Doliprane avec ton petit déjeuner et. Il a dit l'autre Nati parce que c'est son pote, ok. D'Afalgan avec le déjeuner. Ensuite, tu mets un peu de Fervex dans ta collation. Ah ouais, bah Essan, il est pas con. Ça va, au moins, Essan, j'avais peur qu'il fasse le gars. Il le dit gentiment, mais il dit les termes. Et le soir, tu prends tes antibiotiques. C'est un physique atteignable. Mais si jamais. Mais tu vois, il est mort de rire. Quand c'est moi qui mets des doutes, il est énervé. Il fait des vidéos fâchées. Ouais, les gens comme Marvel, des rageux. Et quand c'est Essan, Essan, lui, t'as raison. Ça se voit qu'il est dopé, lui. Espèce d'hypocrite. Au bout d'un moment, il va vraiment falloir dire. C'est quoi votre problème avec moi, hein? Au bout d'un moment, il va vraiment falloir dire les termes. Parce que là, au bout d'un moment, moi, ça va me fâcher. Et quand je suis fâché, vous savez ce que ça donne. Exactement. Exactement. Et franchement, ça se voit aussi que les Doliprane qu'il prend, c'est pas du générique. C'est clairement ça, hein? Moi, ça me rend ouf parce que c'est clairement ça. Là, c'est ça, là, c'est moi. C'est clairement ça que je suis en train de subir et ça me rend ouf parce que j'ai peut-être de ces hypocrites, ces gens-là. C'est un truc d'ouf. En fait, c'est juste moi qui ai pas le droit. Les autres, ils peuvent, mais pas moi. Il fallait se faire foutre. Ça se voit que c'est très bien. Non, c'est bien, bravo. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien sur ton travail. Du coup, certifié chargé d'après l'émission. Non, on n'a pas dit ça. Non, on a parlé de... Moi, je donne mon avis après. Non, vous avez dit ça. vous avez très bien. Après, vous ne l'avez pas dit. Non, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais on a compris. Le doute, là, c'est sérieux doute. Donc au moins, ouais, vous avez été honnête. Mais ouais, lui, moi, je vous le dis, c'est... J'ai un doute. Le Sharingham s'allume, clairement. Une vidéo, ouais, en tout cas, on remarque que cette fois-ci, tu maîtrises beaucoup mieux ta prise de masse. Et c'est vrai que les Dafalgan aident aussi à mieux absorber. Voilà. Quand il dit ça, c'est pas au hasard. Hein. Je suis désolé, là, Essan, c'est bon. Là, il vient de dire. Et quand il fait cette blague-là, c'est qu'il sait. Il sait qu'il a appris quelque chose. Donc, Essan a été honnête, hein. Et j'avais peur, on verra, mais j'avais peur qu'il parle chinois, mais il a dit les termes. Bon, mais les calories, les nutriments. Les nutriments, hein, papy? Ouais. L'autoroute. Ouais, ça... La transformation est largement atteignable, quoi. Largement. Bon, il a dit que sa transformation était atteignable. Franchement, ouais, faudrait que je revoie son avant-après, mais pour moi, j'ai un doute. J'ai l'impression que si on écoute le discours d'Essan, il dit ça, hein. Il dit, c'est un physique atteignable naturellement, mais t'es dopé. Si on prend les deux parties, le moment il dit, t'as bien séché grâce aux effets Aragon, et après il dit, non, c'est atteignable, c'est largement atteignable. Ça sous-entend, atteignable naturellement,
mais t'es dopé. Donc, et ça, elle est peut-être plus subtile qu'on le pense. Hein. En résumé, c'est ça, hein, on est d'accord. C'est vraiment le jour où ouais, et je pense que tout à l'heure, je disais, je parle. Ouais, bon, en résumé, il n'y a que Essan qui s'exprimait, les autres, on les a pas entendus. Et moi, j'ai, de ce que j'ai pu... De ce que, si je lis entre les lignes, quand il commence au début, il lui dit « T'as pris des petits doliprane, toi » Sous-entendant, t'es dopé. Après, il dit « Mais t'as un physique atteignable. » C'est-à-dire, tu t'es déchargé, mais t'as un physique atteignable naturellement. On pourrait le résumer comme ça. Donc, ce qui n'a pas été très explicite, et les autres aussi, on les a pas entendus. Mais bon, bref, avançons. Imra, bah, sans montrer, parce que moi je sais que tu me parlais de ta transfo, on te félicite aussi pour cette transformation. Pourquoi sans le montrer? Pourquoi pas le montrer? Lui aussi, les gens le suspectent, donc pourquoi il montre pas? Là, il y a un truc bizarre. Quand c'est Imra, montre pas, montre pas! Incroyable que tu as fait. Il y avait une période où t'étais pas trop dedans. Il a plus le physique, soit il a plus le physique. Enfin, ça peut être que ça en vrai. Soit il a plus le physique, soit ils disent on n'a pas envie de t'afficher et de dire devant tout le monde que là c'est évident que t'es dedans. Bah, c'est, en tout cas, c'est bizarre. Je sais que la situation dans laquelle moi je me suis retrouvé. Quand, au final, il a juste enlevé le t-shirt, hein, c'est bizarre. Hein. On s'est rencontrés justement. Moi, tout ce que je retiens de cette vidéo, c'est l'hypocrisie d'un Imra qui, comme moi, j'émets des doutes, je suis un rageux, ça va faire des vidéos en mode il y en a marre des rageux comme Marvel. Elle ouvre sa vidéo, voilà sa vidéo ici. Voilà pourquoi Elfit Game ne sera jamais bien là, avec ma tête ici. Quand c'est Essan, oh oui, oui Essan, ils sont dopés, oui t'as raison. Je le dis hein, clairement, c'est de la sucerie que t'as fait, tout le monde l'a vu. Bon, après tu fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Alex Levent, c'est pareil, on lui a jamais reproché ses vidéos dopées naturelles. Hein. Et il en a fait, hein. Il en a fait sur tout le Fit Game. J'ai jamais vu Thibaut dopé, t'as jamais vu les gens lui casser les couilles. Peut-être qu'on va me dire, oui, mais parce qu'eux, ils sont dopés, eux, les dopés ont le droit de parler de ça, toi, t'es pas dopé, t'as pas le droit, au nom de quoi? L'autre truc, c'est que, selon Essan, hein, selon Essan, on a au moins, on va dire, la moitié des gars de votre team qui sont dedans. Donc, quand on venait me casser les couilles, quand je parlais de l'after et du gym en mode rageux, voilà, j'espère, là, bizarrement, avec Essan, tu n'es pas fâché. Tu n'as pas l'air en colère face à Essan. Donc, il va falloir que tu dises vraiment les termes sur ce que tu me reproches, ce que vous me reprochez, en généralement, ceux qui me cassent les couilles quand je fais des analyses. Bonne hypocrite que vous êtes. Mais bref, tout ça pour finir, pour vous dire que... Essan a quand même été dans l'ensemble assez honnête, même si j'ai trouvé généré sur certains, mais il a dit les termes sans dire les termes, mais on a compris. On a compris, tu vois, on a compris. Donc, il n'a pas trop parlé chinois. J'avais peur qu'il assume pas trop. Donc, au final... plutôt bonne analyse, même si généreux par moment. Mais on retiendra surtout le deux poids deux mesures des gens du Fit Game qui, quand c'est des gens comme Essan ou Alex Levent qui font ce genre d'analyse dopé, pas dopé, c'est très bien. Et quand c'est Marvel, c'est un affarceleur qu'il faut arrêter, etc. Bande de, j'allais vous insulter, mais bon, je vais pas le faire. Bref, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.